Embarqué en hâte sur le sous-marin Le Cafteur, bâtiment de poche prêté par Fouvreau, nos amis Black et White, suivis d'Asti Canelloni et Maurice Lagrammaire, voguent à présent en direction de Madagascar sous la conduite de l'inquiétant capitaine Fauderge. Alors, commandant, tout va-t-il comme vous voulez? Ça va, rien à signaler, sinon vous me gênez. Comment ça on vous gêne? Ah, restez dans mes jambes, installez-vous. Mais où ça donc? C'est comme ça, débrouillez-vous. Moi que j'ai des bagages. Mais dites donc, fais Asti, dites, qu'est-ce que c'est que ces deux grosses valises là? Ah, c'est mes petites affaires. Qui pèsent au moins 30 kilos chacune? Commandant, à quelle vitesse marchons-nous maintenant? 135 nœuds. 130? Mais les navires les plus rapides ne filent ouais, que... Ouais, c'est des petits nœuds. Ah, bon. On va longer les côtes d'Espagne. Juste, Madagascar, on n'y est pas encore, hein. Deux jours ont passé. Le Cafteur croise à présent au large de la côte ouest de l'Afrique. Le capitaine Fauderge, la lorgnette vissée à l'œil gauche, scrute l'horizon monotone. Tiens, mais oui, oh, 1 000 000 000 de... un sabre, on dirait. Mais ouais. dites-moi, mes enfants, mais c'est un radeau avec une voile. Oh, on dirait qu'il y a des humains. Oui, il y a des naufragés. Ah, ils approchent de nous, attendez. Oui, du radeau. Attendez, on va vous donner un coup de main. On va vous prêter main forte. Mais pourquoi faire? Bah quoi? Vous êtes naufragés, non? Bah oui, ça se voit pas! Eh ben, on va vous sauver! Mais pas du tout! On veut pas! Comment? Enfin quoi? C'est la loi de la mer! Mais fichez-nous la paix, on vous a rien demandé! J'ai jamais vu ça! Mais comprenez-nous bien, braves gens, c'est très gentil de votre part, mais mes deux camarades et moi, nous sommes des naufragés volontaires! Des naufragés volontaires? Ah ben c'est une curieuse profession! Il n'y a pas de saut métier, et le nôtre est très à la mode, ça paye très bien. Notre expédition en radeau depuis la Terre Adélie jusqu'aux sources de la Loire est suivie par le monde entier. Et le film est déjà vendu. La date de la conférence au palais de Chaillot est retenue. Là. Vous comprendrez facilement que votre aide risquerait de compromettre le succès de notre entreprise. Nous devons rester naufragés. Sans secours, sans amis, sans espoir. Ben quoi, vous accepterez quand même un peu de nourriture. Non, il vous reste à manger? Non, plus rien depuis 10 jours. Et nous devons souffrir de la faim. C'est sur notre contrat. Mais scientifiquement, qu'est-ce que ça va prouver? Oh, pas grand-chose, bien sûr, mais pour la télévision, quel boom, hein. Oui. Alors vraiment, vous ne voulez pas de vivre? Non, rien. On veut mourir de faim. Moi, ça me fait mal au cœur. Attendez, je vais leur envoyer nos rations de nourriture. Allez, aidez-moi. Allez, allons-y. Sauf qui peut. Allez, attrapez les cochères, les petits pois, les sardines, attrapez. Ça c'est une ruine alors ça. Mais wait, regarde ce qu'ils ont fait de nos caisses. Oh, à la mer, nos belles provisions. Messieurs Black et White. Oui, qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Fouvreau à la radio. Ah, parfait. Oui. Allô? Black, White, une nouvelle extraordinaire. Mes agents ont trouvé à l'entrée de l'autoroute un homme inanimé, ayant presque entièrement perdu la mémoire. Le commissaire Socrate. On a du retard maintenant. Allez, commandant, en avant, toutes et à tout casser. Il faut rattraper le Carmen Tessie. Ah, vous avez raison, monsieur Maurice. Je me demande ce que devient ce pauvre monsieur Théo. Et alors? Alors quoi? S'ennuie à bord du Carmen Tessier? Le jour où il y aura cinéma, faudra me faire signe. Je n'aime pas qu'on fasse mauvais esprit à bord. Tout de même, il en met du temps, votre afio, pour arriver à Madagascar. Mais comment sais-tu que la prochaine escale est Diego Suarez? Clecmuf. Quand vous ne serez plus un enfant, on vous expliquera les trucs des grandes personnes. Je le dis, son patron. Silence! Alors, comme ça, tu sais où on va? J'en sais plus long que vous ne le pensez, Clecmuf. Dommage d'en savoir autant et de ne pas pouvoir communiquer avec tes petits camarades, hein? Je m'en sortirai, mon vieux, j'ai confiance. Le principal, c'est de ne pas y laisser ma peau. Et là, pas de danger. Je suis le seul type capable de reconstruire votre extrapolateur de densité. Vous avez trop regretté d'avoir descendu celui qui vous l'avait construit. Moi, je ne crains rien. Tu crânes, hein? Oui. Je le descends? Non, grougnasse, tu ne me descends pas. Personne ne me descend. C'est ça qui fait mon charme.
Entrez. Qu'est-ce que c'est, capitaine Jagadish? Messieurs Clacmuff, les voyages s'arrêtent ici. Qu'est-ce que ça veut dire? L'équipage va se révolter. Contre vous? Contre vous. Et vous? Moi aussi, monsieur Clacmuff. Je le descends, patron. Capitaine Jagadish, pensez-vous réellement que vous serez le plus fort? Nous sommes 27, vous êtes deux. Et celui qui me commande, vous le comptez pour combien? Celui qui... Oui, le grand Babu. Chut! Prononcez pas ce nom! Et pourquoi pas? C'est lui que je représente. Non, ça c'est pas vrai. Mais si, capitaine. Non, nous n'obéissons qu'à celui qui possède les gouttes gousses. Les gouttes gousses. Très bien. Vognache. Je vais me... Va me chercher dans ma cabine l'étui en lac noir. La boîte à clarinette, oui, tout de suite. Capitaine Jagadish, vous paierez très cher votre incrédulité. Ah, vous croyez être 27 contre 2? Mais je suis 1000, moi! 1 million! 1 milliard! Tenez, voilà, patron. Merci, Grouniache. Capitaine, connaissez-vous ceci? Eh, hey, il a raison, hein. On dira un étui à clarinette. Silence, profane! Ouvrez vous-même, capitaine. Oh! Oh! Oh, non! Non, ce n'est pas possible! Les gouttes gousses! Oui, les gouttes gousses, au boudin sacré, l'insigne symbolique des envoyés de grand Babu. Les boudins sacrés! Les boudins sacrés! Arrivez tous! Tous ici! Vite! Regardez! Regardez! L'homme possède les gouttes gousses! Gouttes gousses! Gouttes gousses! Nous devons tous obéir! Tous et par terre! Oh, les ventres et les fronts sur les sols! Honneur aux gouttes gousses! Honneur à celui qui détient les boudins sacrés! Honneur à boudins sacrés! Fidélité au grand Babu et à son envoyé! Fidélité! Chaviro! Chaviro! Rotantasha! Rotantasha! Chamipataro! Chamipataro! Rogria Patasha! Rogria Patasha! Allez, tous à vos postes! Tiens! Et que pas un ne s'avise d'en bouger! Tous aux manœuvres! Les caps sur Diego Suarez! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement.